Bonjour et bienvenue dans la chronique des ciels et marines, l'émission consacrée au Havre Athletic Club, équipe masculine et féminine compris. Et aujourd'hui, nous avons un joli programme. Nous allons parler une nouvelle fois du succès du HAC lors de son dernier match qui s'est déroulé dans notre stade Océane contre Sochaux, l'actuel 3e du championnat de Ligue 2, une victoire très importante pour l'objectif final qu'est la montée. Nous allons également parler du match qui va suivre une nouvelle fois au stade Océane contre le Nîmes Olympique ce soir à 20h45. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de l'équipe féminine du HAC. Tout d'abord, commençons cette première partie et cette victoire havraise contre Sochaux. Tout d'abord, l'équipe, encore une fois, un classique, le 4-3-3 havrais. On ne change pas une équipe qui gagne. Les titulaires sont Arthur Desmas dans les buts. En défense, Walid El Ajam, Aruna Sanganté, Gauthier Loris, Christopher Opéry pour s'occuper du couloir gauche. Au milieu de terrain, le trio qui fonctionne et qui contribue largement au succès à vrai, Amir Richardson, futur joueur du Stade de Reims, donc qu'on retrouvera très probablement en Ligue 1. Victor Lecal au poste de milieu central, Yacine Keshta, le jeune milieu à vrai, très brillant. Et ensuite, en attaque, sur les côtés, Josué Casimir, Quentin Cornette et en pointe Nabil Alioui qui hélas s'est blessé assez rapidement à la pommette à la 6e minute de jeu et qui a donc été remplacé très rapidement. Nous allons parler des joueurs qui sont rentrés en cours de match. Jamal Tiaré qui est donc rentré sur le front de l'attaque pour remplacer Nabil Alioui à la 6e minute. Jamal Tiaré, malgré son entrée assez tôt dans le match, il est sorti, remplacé par Yann Kitala. Nous pouvons également noter les entrées de Cheikh Oumar Diakité, Nolan Mbemba ou encore Elias Mahmoud. Et cette équipe, elle a encore une fois remporté la rencontre. Et cette rencontre contre Sochaux, qui était troisième, enfin, qui est troisième actuellement, c'était très difficile. Une rencontre très équilibrée. 8 tirs pour le HAC, 5 pour Sochaux, 3 tirs cadrés pour le HAC. 4 tirs pour Sochaux, donc avantage le HAC sur le nombre de tirs, mais avantage sochalien pour la précision d'un point de vue tir cadré. Et c'est sur ces 3 tirs cadrés que le HAC a su convertir sa chance et remporter la rencontre grâce à un but à la 76e minute de jeu, un contre-son-camp pour Sochaux. Nolan Mbemba qui se charge du corner et Jamal Tiaré qui reprend de la tête et la tête de Jamal Tiaré a été déviée par le sochalien Alvero, but à la 76e minute de jeu pour le HAC qui remporte une rencontre très précieuse car au classement le HAC fait toute la différence. En 18 matchs, le HAC l'a emporté à 11 reprises pour seulement 6 matchs nuls et une défaite seulement. 39 points désormais pour le HAC. Et Bordeaux, qui a été tenu en échec à Caen, après avoir mené 2-0 pourtant, se retrouve distancé de 7 points de retard. Bordeaux n'a que 32 points, donc 7 points d'avance sur le second, sur le Dauphin. Et Sochaux, qui vaincu désormais, pointe à la 3e place, mais cette fois-ci avec 9 points de retard sur le HAC. Le HAC qui maintenant a 9 points d'avance sur la montée, car on sait que l'objectif est de finir soit premier, soit deuxième pour assurer une place en Ligue 1. Et avec 9 points d'avance, le HAC s'offre une belle marge. Mais attention, il ne faudra pas ralentir la cadence car la saison reste encore très longue et il y a ce soir un match très important contre Nîmes au Stade Olympique pour clôturer la mi-saison. Et ainsi, après le calendrier qui va suivre, nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission, il est important que le HAC clôture cette mi-saison avec une victoire pour prendre les 3 points et continuer de creuser l'écart avec les concurrents adverses. Nous allons parler ensuite de la réaction de l'actuel entraîneur du HAC, Luca Elsner, qui après la rencontre était très satisfait, bien évidemment, du résultat. Mais il a tenu à féliciter Sochaux, car le HAC a été mis en difficulté contre l'adversaire,
contre son adversaire mardi. Lucas Elsner a dit « Sochaux, c'est certainement l'équipe qui a produit la meilleure mi-temps au Stade Océane face à nous. C'était très dur, ils ont de très bons joueurs et de très bons circuits. Je pense qu'on a manqué soit d'agressivité, soit d'humilité, peut-être un peu des deux. » Lucas Elsner, malgré la victoire, reste un peu critique. Il sait que son équipe est capable de faire mieux. Et justement, il le met en avant et c'est intéressant car il ne voit pas tout sous le prisme de la victoire. Et c'est comme ça que le HAC pourra continuer de progresser. On les a laissés un peu trop facilement créer des décalages, dit-il. Après, je suis content qu'on n'ait pas considéré grand-chose derrière. J'ai trouvé notre deuxième mi-temps franchement plus efficace. On était un petit peu plus tranchant, on a quand même eu des maladresses techniques, mais voilà. On débloque le score sur un coup de pied arrêté, qu'on travaille beaucoup. C'est aussi sur ça que se jouent les grands matchs. Il a tout à fait raison, le HAC a disputé un match très important pour la montée en Ligue 1. Sochaux, juste avant le match, avait seulement 6 points de moins que nous. Et c'était important d'être humble, comme il le précise, pour prendre les 3 points. Et enfin, il a clôturé son analyse de fin de match ainsi. J'aurais bien aimé qu'on tue le match sur les 10 dernières minutes parce qu'on a des situations où il suffit de pousser le ballon, mais malheureusement, on n'arrive pas à gérer les transitions. On a fini aux valeurs, comme d'habitude. Car oui, si le HAC montre bien évidemment beaucoup de qualité, que cela soit défensivement. Pour rappel, le HAC est quand même la meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 6 buts encaissés en 18 matchs, soit un but encaissé tous les 3 matchs, ce qui est une très bonne moyenne. Le HAC, malgré tout, montre certaines lacunes sur le front offensif. Jamal Thiaré, qui s'est rattrapé justement contre Sochaux, qui est à l'origine du but sur la tête, sur le corner. Mais avant ce match contre Sochaux, après ce match contre Bordeaux, le HAC avait joué son dernier match de l'année 2022 contre Paris FC. Et le HAC avait certes pris un bon point à Paris, Paris FC, qui est une bonne équipe de Ligue 2. Mais Jamal Thiaré avait notamment raté une belle occasion dans le dernier quart d'heure, il me semble. Il avait glissé alors qu'il y avait vraiment eu une très bonne passe. Certes, je n'ai pas de critique à faire sur cette équipe du HAC qui a pris un bon point contre Paris FC, mais l'occasion, le HAC pouvait gagner ce match à Paris, pas de but malheureusement. Et là contre Sochaux, une victoire 1-0. Donc le HAC gagne, c'est très bien, mais comme Lucas Elsner l'a souligné dans son analyse, il y a peut-être des lacunes offensives et il faudra peut-être marquer plus de buts encore contre Nîmes ou encore contre les équipes que nous allons jouer au cours de cette fin janvier et au cours du mois de février. Nous allons marquer une petite pause et nous revenons juste après. Lolita's acidulé, réplique d'héroïne délurée. Je prends les rombières et l'amour et les mères, les grands-mères débridées. Je prends tout ce qui glousse en ma présence, tout ce qui trépigne et tout ce qui danse, toutes celles qui brisent de confidence. Je leur tends l'oreille et je leur tellement j'en prends. Elle m'en pose autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing. Tellement je prends. Les mégères apprivoisées, les femmes adultères, leurs aînés. Je prends les cougars, les divorcés, les exaltés, les timorés. Je prends tout ce qui
douce en ma présence, tout ce qui trépigne et tout ce qui danse, toutes celles qui brisent de confidence, je leur tends l'oreille. Je prends moult râteaux, coups de massue plein les dents. Les lapins, je les compte plus, tellement j'en prends. Elles m'en posent autant que je prends des gants. Je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing. Oh oui, je prends moult râteaux et coups de massue plein les dents. Les lapins, je les compte plus, tellement j'en prends. Elles m'en posent autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing, tellement je prends. Nous sommes de retour dans la chronique des ciels et marines. Et après avoir débriefé ce match contre Sochaux, ce succès important, nous allons maintenant parler du prochain match qui a lieu ce soir à 20h45 au Stade Océane. L'adversaire n'est pas moins que le Nîmes Olympique. Et au cours de la dernière émission, on avait parlé que justement les clubs qui était en Ligue 1 ces dernières années réussissait bien au HAC cette saison. Nous avons le HAC a battu le FC Metz cette saison 2-0. Nous avons eu l'occasion de débriefer cette rencontre. Le HAC a remporté en début de saison un match contre Saint-Étienne qui jouait en Ligue 1 la saison dernière. Et donc le dernier club qui était descendu, le troisième club qui jouait en Ligue 1 l'année dernière et qui est descendu au cours de cette saison, le Girondins de Bordeaux, a été une nouvelle fois vaincu par le HAC. Donc le HAC fait un 3-3 contre les anciens clubs de Ligue 1 de l'année dernière. Et le Nîmes Olympique jouait encore en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. Donc nous espérons bien évidemment que le HAC réussisse à confirmer sa tendance très positive contre les anciens pensionnaires de Ligue 1. Le Nîmes Olympique, qui est certes un grand nom mine de rien du football français. Nous rappelons que ce club a joué en Ligue 1. Il jouait encore en Ligue 1 il y a quelques années. Mais le Nîmes Olympique va clairement jouer chèrement sa peau au Stade Océane. Certes, le Nîmes Olympique est 19e, mais le club joue désormais pour le maintien. Et un club qui justement joue chèrement sa peau est clairement difficile à jouer. Le Nîmes Olympique, 19e, avec seulement 4 victoires au cours de ses 18 matchs. Le HAC, quant à lui, le HAC est toujours sur son petit nuage. 11 victoires, 6 matchs nuls, 1 défaite. Et au cours de ce match contre le Nîmes Olympique, le HAC peut creuser l'écart. Bien évidemment, une avance qui se creuse de journée en journée. Mais le HAC, quand même, peut remplir des statistiques très impressionnantes à la mi-saison. Si le HAC gagne ce soir contre Nîmes, le club doyen pourra signer un 12e succès, hein, comme l'indique Paris-Normandie, 12 succès sur 19 matchs, c'est une très bonne moyenne. Et pour rappel, le HAC, la dernière défaite et la seule défaite du HAC cette saison en Ligue 2 remonte à début août. Et donc,
cela. En cas de victoire ou match nul, le HAC pourrait signer un 17e match d'affilée sans défaite. Et actuellement, le HAC est sur une série de 6 matchs sans avoir encaissé de but. Nous espérons bien évidemment que le HAC confirme cette forme en défense, car si actuellement le HAC n'a plus encaissé de but depuis la Coupe du Monde, depuis la reprise de la Coupe du Monde, le HAC n'a pris aucun but. Et donc cela pourrait vraiment être impressionnant de remplir un 7e match d'affilée sans prendre de but. Mais bien évidemment cela est dû à cette défense havraise très solide hein, sur les côtés, défensivement des joueurs comme Christopher Opéry et Walid El Ajam sont très importants. Ils contribuent à la solidité du HAC d'un point de vue défensif, et bien évidemment il ne faut pas négliger des joueurs comme Gauthier Loris qui fait un travail très impressionnant en défense centrale. Plusieurs fois dans les rencontres, il s'impose par des interventions, des tacles défensives très décisifs. Mais contre Nîmes ce soir, il y aura deux joueurs en moins dû aux blessures. Nabil Alioui, blessé contre Sochaux au pommettes, et Arthur Desmas, notre gardien, qui donc est sur une série de 6 matchs sans prendre de but, ne jouera pas. Même donc attention quand même, Arthur Desmas qui lui aussi hein, bien évidemment fait les interventions qu'il faut. Contre Sochaux, il s'est employé à quelques reprises mine de rien. Donc nous espérons bien évidemment que Mathieu Gorgelin réussira à prendre la relève et assurer avec brio l'intérim dans les buts à vrai. Des joueurs en moins, mais des joueurs en plus également, car au cours du mercato d'hiver, période située autour du mois de janvier, où les clubs actuels peuvent recruter, le HAC s'est montré actif sur ce mercato d'hiver. Ils ont signé un milieu de terrain, Oussama Targaline, âgé de 20 ans, qui s'est engagé pour 3 ans plus une saison en option. C'est un jeune marocain qui est passé notamment par l'Olympique de Marseille. Nous espérons que ce jeune milieu de terrain marocain s'épanouira au sein du HAC. Et enfin, le HAC s'est assuré une nouvelle recrue sur la défense. Défenseur qui est passé par l'Inter Milan, mais également qui jouait avant son arrivée au HAC à la réserve de l'Olympiakos, un club situé en Grèce. Alors ce joueur se nomme défenseur Étienne Quincoué, donc une nouvelle fois un jeune joueur défenseur central de 20 ans qui a joué de 2019 à 2021 à l'Inter Milan, et il portera le numéro 92, et enfin il s'est engagé pour 3 ans au HAC. Donc certes des absents contre Nîmes ce soir, mais peut-être que les nouveaux joueurs qui sont arrivés au cours de ce mois de janvier auront l'occasion de jouer contre Nîmes. Car oui, ce match est important. Les 3 points sont à prendre au cours de cette rencontre. Et le calendrier, justement, est assez important pour le HAC. Car après ce match contre Nîmes, ce soir, le HAC va ensuite s'engager sur 2 déplacements d'affilée. Le prochain match est contre Amiens, le 28 janvier à 19h, Amiens qui est actuellement 5e du championnat, donc qui est bien évidemment un prétendant à la montée. Et ensuite, le HAC se déplacera à Bordeaux. Un mois après leur rencontre au stade d'Océane, cette fois-ci, le HAC se déplacera au Matmut Atlantique face à l'actuel dauphin de Ligue 2, le 31 janvier à 20h45. Et bien évidemment, les Bordelais auront cette volonté de prendre leur revanche et de diminuer l'écart contre le HAC. Et ensuite, le HAC retrouvera le stade Océane le 3 février contre le Paris FC, club que nous avons affronté il y a peu, au mois de décembre, un match qui s'était fini sur le score de 0-0.
C'en est fini pour la deuxième partie d'émission et nous revenons juste après la pause musicale pour parler un petit peu de l'équipe féminine du bac. A tout de suite. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle évince. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Maintenant, il est temps de parler de l'équipe féminine du bac, une équipe qui évolue actuellement en première division féminine et c'est pour cela qu'il est important de parler de cette équipe qui rend honneur au Havre Athletic Club. Et lors de la dernière émission, nous avons parlé justement du match qui allait suivre pour cette équipe féminine du bac contre Lille en Coupe de France et nous sommes ravis de vous annoncer que l'équipe féminine du bac s'est imposé 3-2 contre le LOSC et s'est qualifié avec brio donc pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Le HAC a gagné contre Lille en déplacement.
pour la montée et le HAC pour ses huitièmes de finale se déplaceront une nouvelle fois encore pour affronter le FC Fleury, l'équipe féminine de Fleury en Coupe de France le 29 janvier à 14h30. Mais nous allons parler avant tout de cette victoire havraise. Car si le HAC, cette équipe féminine du HAC, a concédé l'ouverture du score, il faut l'équipe havraise du HAC a égalisé à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Kelly Gadea. Et ensuite, Salomé Elisor manque son face-à-face avec la gardienne lilloise, mais Kelsey Arojo, qui avait suivi l'action, conclut pour que l'équipe féminine du HAC passe à 2-1. L'équipe lilloise n'a rien lâché jusqu'au bout et elles ont égalisé à la 76e minute de jeu, mais à la 94e minute de jeu, alors que les deux équipes justement s'apprêtaient à jouer les tirs au but, car le temps additionnel allait se clore. Salomé Elisor, encore elle, qui avait justement participé au premier but, marque à la 94e et donc vient qualifier cette équipe féminine du HAC pour les huitièmes de finale. Un match contre Lille qui a été très compliqué et ce qui rend la victoire du HAC d'autant plus belle. Maintenant, le programme pour le HAC, cette équipe féminine, c'est bien évidemment l'AD1. Pour rappel, le classement n'a pas bougé depuis la dernière émission. L'équipe féminine du HAC est 8e sur un championnat auquel sont réunies 12 équipes. Ainsi, il y a 22 journées au terme de ce championnat. Et donc, en 11 matchs, les équipes féminines du HAC ont rapporté 13 points, 4 victoires, 1 match nul et 6 défaites. Donc, il est important que cette équipe féminine du HAC puisse rebondir, car l'objectif avant tout est de se maintenir pour une deuxième saison consécutive en D1. Pour l'instant, elles ont un peu d'avance sur la lanterne rouge, et c'est pour cela qu'il va être important de justement capitaliser sur ce début de saison prometteur. La suite, c'est contre l'En Avant Guingamp le 14 janvier, donc demain, à 13h45. Déplacement justement dans la ville bretonne, à Guingamp. Guingamp qui est actuellement 10e sur 12, qui compte un retard de 6 points sur cette équipe féminine du HAC. Donc il est très important de ne pas perdre pour ne pas voir ce club revenir sur nous, car l'objectif est de creuser l'écart avec la lanterne rouge. Et enfin, l'équipe féminine du HAC retrouvera le Stade Océane le samedi 21 janvier à 13h45 contre le Paris FC. La tâche s'annonce très compliquée, car le Paris FC est, à l'heure où je vous parle, actuellement 3e de D1 championnat de France féminin. C'en est fini pour la chronique des ciels et marines. Je suis très content de vous avoir parlé du Havre Athletic Club. Je vous rappelle le programme. Ce soir à 20h45, le HAC contre le Nîmes Olympique. Bien évidemment, peut-être qu'un hommage à l'ancien joueur du HAC, Modeste Mbami, décédé il y a peu, sera rendu. Peut-être que justement ce joueur, il y aura un hommage ce soir. Peut-être après le match contre Sochaux. Un hommage donc à un ancien joueur du HAC, Modeste Mbami. Et donc le lendemain, l'équipe féminine du HAC contre l'En Avant Guingamp à 13h45 pour le championnat féminin. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique des ciels et marines. Yeah!